Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog aujourd'hui, je me suis levée il n'y a pas longtemps, d'où ma tête, donc excusez-moi. Mon chéri est malade en fait, je crois qu'il a une angine, quelque chose comme ça, donc je vais lui préparer un bon jus, je vais lui donner quelques médicaments pour qu'il aille mieux. J'ai la voix qui casse, moi aussi je tombe un petit peu malade, j'ai l'impression, parce qu'on a eu des 40 degrés pendant X temps, et là on a de la pluie depuis 4 jours et du vent, et il fait quand même assez frais. Voilà, donc je vais préparer, comme je vous ai dit, un jus de fruits pour mon chéri, etc. Et puis je vous reprends certainement tout à l'heure. Je vous fais d'énormes bisous. Voici le grand corps malade. Qu'est-ce que tu as, mon amour? Dis-leur. J'ai de la glu dans le nez. Non, mais je pense que t'as une angine ou quelque chose comme ça. Parce que t'as mal à la gorge aussi. Non, j'ai pas mal à la gorge. Mais t'avais mal à la gorge pourtant. Avant-hier, j'avais mal à la gorge. Tu te transformes en fait. Et aussi, j'ai rajouté du miel de sapin parce que quand on est malade, c'est très très bon. Voilà, donc je lui ai mis du miel de sapin dans son smoothie à lui et dans le nôtre là qu'on va boire. Parce que voilà, ça fait toujours du bien. C'est le wrap que j'ai fait hier, il est un petit peu écrasé, hein, tout simplement, parce qu'en fait il a pris au travail et comme il ne l'a pas mangé, parce que je ne lui en fais 3, il l'a ramené à la maison pour le manger. Ouais, jamais de gaspillage. Oh, puis c'est bon, hein, c'est très dommage de gaspiller quoi. Ah oui. Il a un peu aplati. Ouais. Fait un petit peu la gueule là en fait. Ah, mais c'est pas au crispy celui-là. Non, celui-là c'est au poulet. Ouais. Voilà, celui-là au crispy en fait tu les as mangés. Ouais. C'était les plus gros. Est-ce que tu vas aimer celui-là? Mmh. Il est bon? Il est super bon. Hello tout le monde, voilà, on est préparé et on va aller faire 2-3 courses. On va aller déjà, je vais voir combien il me reste sur mon compte. Et puis on va faire quelques achats, je vais sûrement acheter de la viande et puis on va peut-être balader. Je vloguerai si je vois que c'est intéressant. Donc je vous dis à tout à l'heure et je vous fais d'énormes bisous. J'ai pas beaucoup filmé dehors parce qu'en fait il pleut. On a fait quelques achats là, on a acheté de la viande, on a acheté chez mon neveu qui tient un poulet rôti. Et voilà, j'ai acheté des bougies. Mais bon, il y a un sale temps de merde, dehors il pleut. Du coup, là, on va rentrer, on va manger un petit peu et on va peut-être ressortir après. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors, on est rentré à la maison et là, on va manger le poulet. On l'a acheté dans une boucherie marocaine. Donc, c'est des épices assez épicées, un peu piquantes avec des olives, des oignons et tout, voilà. Donc, on va manger. Bon appétit. Alors, on a acheté deux bougies aux Iman. Donc, voilà, c'est des bougies. Les odeurs, franchement, je peux pas vous le dire parce que ça sent un peu... Bah c'est parfumé, mais il n'y a pas écrit en fait les odeurs. Celle-là, je trouve qu'elle sent un petit peu la cannelle. Et celle-ci, je dirais plus un peu la fleur. Voilà, donc c'était 1,99€ la pièce et on en a pris deux. Bon, nous sommes dans les garages. J'attends que Doudou sorte avec la voiture parce qu'on va aller au Cora en fait, finalement. Le garage, il a besoin de rangement parce qu'il n'y a plus de place là. Pip, 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 pip. Et voilà, Doudou il est sorti, on va monter dans la voiture et on va y aller. Voilà, nous sommes enfin installés dans la voiture. Et puis on va y aller, là on va aller au Cora, on va faire... En fait, on sort parce qu'on a besoin de 2-3 trucs à boire, on va un peu promener, on va manger une boule de glace. Et aussi parce que il faut sortir la voiture vu qu'elle reste dans le garage. Bah c'est pas bon quoi, hein. Il faut faire tourner un petit peu le moteur. Ah, oui, c'est oui. Pour la batterie, sinon bah, c'est pas bon. Et voilà, nous sommes arrivés au Cora. Voilà, donc là on va aller chercher un caddie. J'ai mal aux pieds parce qu'en fait, comme c'est des nouvelles chaussures, en fait ici j'ai mis des protections parce que j'ai attrapé des cloques. C'est des cloques hein, qu'on se dit, des cloches, des cloques. Des cloques, des cloches, peu importe, c'est des bulles. Voilà, j'ai attrapé des bulles aux pieds. Bon, on va aller prendre un caddie et puis voilà. T'as pas mal aux pieds avec tes chaussures?
Non, absolument pas. Moi, j'ai attrapé des cloques derrière, donc j'avais du sang et tout. Bon, on va prendre un caddie. J'ai une pièce, je crois, pour le caddie. Mais je sers aussi beaucoup moins mes chaussures. Hein. Tiens, prends une 50 cents. 50 cents. Voilà. Oui, on vérifie tout le temps que les caddies sont propres parce qu'il y a toujours plein de merde et des déchets dedans. Donc voilà. Quand je mets ici, je mets toujours des gaufres d'ici. On est en train de chercher notre future télé. Il y en a des autres, hein. Mon chéri, il est en train d'essayer les haut-parleurs, là, Samsung. Regarde celle-là. Ça, c'est une bonne taille, hein. Bon, c'est pas une incurvée, donc, non. Malheureusement. Mais elle est jolie, hein. Elle est jolie, ouais. Il y en a encore plein d'autres, hein. Il y en a plein là-bas bien, aussi. C'est la carte hein. Ouais. Elle fait de la 3D aussi. Je savais pas qu'ils faisaient des colonnes comme ça. Ah, mais moi, je le sais depuis longtemps, ça. Je savais qu'ils faisaient des... Tu fais quoi, mais... Tu joues à la Wii U? Bah ouais. Wii U. Je joue à Mario. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien le jeu. Ah, t'as terminé le stage? Bah ouais, c'est facile niveau 1. It's me, Mario. Ouais. Par contre, elles sont moches, celles-là, hein. Ouais, franchement. Bah, elles sont... Elles... Ouais. Bah, elles moi sont, j'aime pas. Elles sont design comme on dit, mais elles sont. Moi j'aime pas. Pasta. Ah, pour les pizzas, regarde. Ouais, elle est pétée celle-là. Regarde celle-là. Ah, celle-là elle est celle-là, énorme. Celle-là elle est bien. Bah, on a des comme ça à la maison, mais ouf, elles sont beaucoup moins lourdes celles-ci. Hein. C'est vrai? Ouais, celles qu'on a à la maison, enfin chez mes parents, tu prends l'assiette, t'es déjà comme ça, tellement c'est lourd. Je viens de voir qu'au Cora ils ont ajouté les nouveaux sandwichs Wet Watcher qu'il n'y avait pas avant. Et c'est 2 euros. Et il y en a combien dedans? Il y en a 6. Et c'est 5 3 points pour 1. C'est cher, hein? Autant manger du pain, quoi. Et il y a le pain aussi, le pain là, Wet Watcher. Mon amour, toujours dans les gâteaux, hein? Toujours. Alors, qu'est-ce que tu veux regarder? Tu surveilles le caddie? Avec mon sac? Qu'est-ce que t'as vu? Bah, c'est écrit promo. Ok, bon, moi, il n'y a rien que promo. Non, il n'y a pas de promo. Ah, mais attends, les lingettes Cora, c'est pas ici? C'est... Non, non, c'est plus loin. Si, là, ici. Ah bon? Ok. Ici, là, j'en prends combien? Prends en deux. C'est tout? Ouais. Okay. Ah, il y a du Kadoum. Ils sont trop bons. Ah, ouais. Celui-là, ils sont bons, celui-là. Tu te rappelles l'odeur? Ouais. Ah, oh, c'est agréable de se doucher avec ça, hein, franchement. Ouais, c'est vrai, hein. Vraiment. Les Kadoum, ça sent trop bon, quoi. Peau sèche. Waouh. Ils sont bons? Ouais, ils sont bons, la noix de coco. Ouais, mais moi, je suis pas fan de la noix de coco dans les gels douche. Hypoallergénique. Ouais, celui-là, j'ai déjà essayé aussi. Ouais? Ouais. Ça sent bon, les Kadoum, hein. Celui-là, il est meilleur, hein. Ouais, les Kadoum, ça sent vraiment trop bon, quoi. Non, non, non. Bon, bah, ça y est, mon amour, il est lâché dans la nature devant des gâteaux. Je crois qu'on va en avoir pour 2h50. Yeah, t'as vu, il y a des mochas là. Ouais. Regarde ceux-là, ils sont gros. Oh là là. Moi j'en ai un peu marre des mochas pour le moment. C'est vrai? Ça c'est tentant. Oui. Tu veux un peu de fruits? Non, aux fruits, c'est pas mon truc, hein. J'aime bien la fraise et tout, mais avec tous les fruits comme ça, c'est pas mon truc. Surtout, tu dois manger la poule. Ça te plaît, hein? Non, ça j'aime pas. J'ai eu peur. T'as raté les donuts qui étaient là-bas? Ils sont quelque part là. Ou alors... Ah non, ils sont ici, les donuts. Et il hésite. Parce qu'il adore les donuts, mon chéri. Moi aussi, j'adore les donuts. Ça sent trop bon. Ça c'est 7 euros quand même. Bah ouais, mais le prix d'un gâteau c'est aussi 7 euros. Ouais, mais on sera plus à en profiter quoi, avec un gâteau qu'avec des donuts. T'as envie? Ouais. Quelle question. Qu'est-ce que tu fais toi? Je voulais juste passer. Ah. Oh, il est énorme le gâteau que t'as pris là. Et... On montre un peu. Il est énorme. 11 euros. Vite traquer pour 50. Bah fais ce que tu veux, hein. Choisis-toi un truc, hein. Comme je sais que t'as envie. Toi prends aussi quelque chose. Non, moi je suis pas gourmande.
Non, franchement, prends quelque chose de bébé. Ouais, mais je ne sais pas quoi prendre. Ce que tu veux. Déjà, tu surveilles mon sac, s'il te plaît, bébé. Allez. Juste. Ok. Moi, s'il y a quelque chose qui m'attire, c'est ce truc-là. Voilà, ça, moi, ça m'attire personnellement. Mais je sais pas si c'est bon, tu vois. Bah, je sais pas si c'est mocha ou... Faut que tu goûtes. Tu goûtes et tu verras bien si c'est bon ou pas. Ouais, 3,89. Ouais, prends. Et toi, tu vas prendre quoi? Moi, je prends ça, moi. Moi, je... je suis trop régalé avec ça. Cœur. Ah non, j'aime pas, moi, les éclairs. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime pas les éclairs. Tiens, mets ça dans le caddie, s'il te plaît. Oh, coup de bol. Par contre, deux, ça sera beaucoup pour moi. Hein. Ou alors, faudrait que je les mange en plusieurs fois, tu sais, dans la semaine, quoi. Bah oui. Hein. Hey, JP. Moi, des fois, après avoir mangé quoi, j'ai envie de manger d'un petit. Un sucré, ouais, je sais. On a pas de gâteau, à part des biscuits, tout ça. Bon, on va prendre des fraises. Elles ont l'air trop bonnes. C'est pour les smoothies, en fait. Donc, il est en train de choisir une belle boîte. Tu peux aussi en avoir. D'ailleurs, j'ai fait un jus ce matin. Il y en a pour toi à la maison. Ouais, elles sont bien. Ouais, elles sont bonnes en tout cas. Hein. Ouais, elles ont l'air bien. Ouais. Bah vas-y, tu peux les prendre. Fais attention au sac. T'inquiète. Bon, là, on va prendre des bananes. 1 euro. Vas-y, prends-le celui-là. Ça fait 2,33€. Ouais, c'est bon. T'as choisi celui-là? Ouais. Ouais, on va prendre celui-là. Faut qu'on prenne des pommes aussi ou pas? Je sais pas, il en reste? Une. Une? Ouais. On va en prendre quelques-unes, c'est combien? C'est 2 kilos? Ben ouais, regarde là, il y a 1,15. Ouais, voilà. On va en prendre 4. Bon, pour le moment, le caddie, il est rempli de choses saines. On a pris un thermos aussi pour mon chéri, pour le travail. Alors là, on va regarder pour les melons, mais je les trouve un petit peu chers, quoi. Pour le moment, 2,50 la pièce. C'est mon chéri qui est en train de peser les pommes. Et on va peut-être acheter de la pastèque pour faire les smoothies. Il y en a pour combien, alors? Je sais pas, elle va passer. Là-bas, il y en a une. Alors, on a pris des coca à la cerise et un coca normal pour le petit. Oui. Regardez, il y a de la glace au bubble gum et de la glace à la barbe à papa. Mmh. Franchement, ça donne envie. Hein. Ouais, trop. On est à la caisse, à la casa. Et là, on a acheté des glaces à la vanille qu'on a mis dedans en fait pour les smoothies. Et voilà le reste du caddie. On va aller. Prendre des glaces. Hein. Ouais. Attention, tu vas faire tomber ta glace. Toi, t'as pris goût amarena et popcorn. Oui, et en même temps. Moi, j'ai pris une cassata, donc c'est aux fruits confits et une autre au popcorn. Et toi? Petit gousse, chocolat et lait. Ah oui, toi, t'as pris chocolat et une boule au lait. Ouais. Voilà. Bon, du coup, là, on va petit à petit marcher et puis on va manger notre glace et on va rentrer à la maison. Ouais. Voilà. Et puis après, il faudra refaire à manger à la maison. Ouais. Voilà quoi. Alors, elle est bonne ta glace, mon amour. C'est vrai, t'aimes bien? Ouais. Super bon. Et oh bah toi t'es déjà fini. Moi j'en suis là, presque fini aussi. Et voilà, on est dans la voiture, on est fatigué. Il est quelle heure là? Il est 19, enfin il est 7h17. Ouais, il est 7h17. Mon chéri il est fatigué. Hein, parce qu'en fait c'est le seul jour de la semaine qu'il a congé, c'est le mardi. Non, le mercredi. Ça dépend des jours, hein, des semaines plutôt. En fait, des fois il a 3 jours de congé, des fois 2, des fois 1. Mais là, cette semaine, il a que le mardi, le mercredi, je sais pas, je me trompe toujours entre le mardi et le mercredi. Il a que le mercredi de congé, donc c'était le seul jour qu'on avait pour venir faire les courses. Donc il a pas pu beaucoup se reposer. Bien manger. Ouais. On sait pas encore ce qu'on va manger, mais on va bien manger. On va se faire un petit milkshake devant Teen Wolf. Ouais. Ou Bates Hotel. Ouais. Ah oui, on a commencé une nouvelle série. Ouais, c'est assez glauque en fait. C'est un peu lugubre. Ça parle d'un motel, d'un vieil hôtel. Motel délabré en fait. Qui a été récupéré par une maman et son fils et... Au premier épisode, il y a un meurtre. Ouais, il y a un meurtre déjà et tout. Enfin, la maman, elle a l'air pas très nette dans sa tête et le gamin, il a l'air un petit peu perturbé, un petit peu... Enfin, ouais. C'est... Mais ça, c'est assez lugubre, en ouais. Fait, assez suspense quand même. Comme, ouais. On se repose 2 minutes et puis on va rentrer à la maison. Donc je vous dis à tout à l'heure et je vous fais d'énormes bisous. Et re tout le monde, bon je suis en train de préparer le manger de ce soir. Donc on va manger des beefsteaks avec une sauce crème champignon, enfin une sauce champignon à la crème fraîche.
Et puis on va manger ça avec des frites. Voilà, voilà, on vient juste de terminer de manger, je crève de chaud, j'ai trop chaud. On s'est régalé, mon chéri s'est régalé, moi je me suis régalée. Et voilà, je crois que j'ai plus de place jusqu'à demain, le dessert il attendra je pense. Voilà donc, pardon ? Non, il attendra pas. Hein. Ah non, mais le mien il attendra je crois, hein, parce que j'ai plus de place. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais d'énormes bisous.